Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez 2 minutes. Il me fallait mon huile pour mes cheveux. Je vais enlever ça parce que je vais galérer. J'espère que vous avez bien dormi parce que moi j'ai pas très bien dormi en fait. Je me suis endormie vers 1h du matin parce que j'ai regardé une émission sur les squatteurs et les règlements entre les voisins là. Ceux qui se disputent pour une barrière ou pour un truc de passage. Et comme il y en avait 3, ça s'est terminé tard, donc je me suis couché à 1h du matin. Après, l'émission était super bien, franchement, super intéressant. En plus, il y avait ma ville dedans, ça m'a fait trop bizarre, dans 2 émissions. Et je me suis couché vers 1h du matin, le réveil de mon chéri qui sonne à 2h30, je crois. Ça m'a réveillé, impossible de redormir jusqu'à 6h30 du mat'. Donc voilà, du coup, je mets de l'huile pour pouvoir m'attacher les cheveux, parce qu'ils vont être trop épais et je ne vais pas pouvoir les attacher. Du coup, je me suis endormie qu'à 6h30 du matin. Non, j'ai commencé à vouloir m'endormir à 6h30 du matin, pensant que mes enfants commençaient à 9h. Ils ne commençaient pas à 9h. Donc j'entends le réveil des petits sonner, je dis ah non, je peux même pas dormir une petite heure, donc du coup je me rendors pas, je me rendors qu'à 8h du mat, quand les petits partent à l'école. Et du coup toute la nuit, je suis restée sur mon téléphone, j'ai fait mon montage du vlog d'hier. Du coup il est fini. La vignette, elle est finie. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça m'avance pour ma journée. Mais par contre, à mon avis, je vais avoir des gros coups de barre. Et ma fille, hier, mon fils et ma fille, désolé, ça fait pas longtemps que je suis réveillée là. Parce que du coup, je me suis rendormie à 8h, réveillée à 10h30, comme on a mis la rentrée. Je me suis dit, oula, faut que j'aille chercher le pique-nique à ma fille, elle l'a oublié hier. Parce que comme ils ont le cross, ils étaient hyper crevés, donc elle s'est endormie. En rentrant du cross, mon fils, il s'est endormi au coiffeur. Du coup, alors il faut aller vite chercher le pique-nique parce qu'elle a cirque. Donc là, je me rafistole un peu histoire de pas trop avoir une sale tête quand je vais au collège. Et puis voilà quoi, je vais aller chercher le pique. J'arrive pas à parler du coup. Chercher le pique-nique et puis lui ramener. Sinon, je crois que mon fils est fini à 11h, mais s'il finit à midi, du coup, on va le récupérer en même temps. Voilà, je vais lui prendre pique-nique aussi, comme ça. Après, quand je rentre, j'enchaîne les ménages. Parce que hier, avec le cross, j'ai pas pu faire grand-chose en ménage. J'en ai fait un peu, mais j'en ai pas fait énorme. Et comme je vous ai dit que pendant 2 jours, je me suis reposée, je peux vous garantir qu'il y en a du ménage à faire. Donc voilà, là je me rafistole tranquille. Enfin tranquille, non, pas tranquille, faut que je m'active. Je vais pas faire la même connerie qu'hier, je mets ma doudou, non, parce qu'il fait super froid, il pleut. Hier, comme je vous ai dit, j'étais gelée avec mon gilet, j'ai fait la kamikaze à sortir en gilet. Ça va, je suis pas malade, j'ai cru que j'allais être malade et finalement, non, ça va. Finalement, ça va, je suis pas malade. J'adore cette eau-là. C'est l'eau de rose de chez Action, là. Même pas 2 euros je crois, puis en plus c'est une grosse bouteille, elle est super rafraîchissante, elle pique pas. Des fois il y a des eaux comme ça, ça pique un peu pour les peaux sensibles, celle-là pique pas, elle est nickel. Par contre j'en ai foutu partout sur la table, ça c'est Cécile, je suis une mise catastrophe. Ça va, finalement j'ai pas une si mauvaise tête que ça. Hop, comme ça je fais ça, après je vais aller me laver les dents quand même, Et puis hop, je file au collège avec James. Alors le pauvre rentre du travail et doit scotiner ça. Il est entré à 10h30 du taf, là il se pose un peu, une petite demi-heure, avant d'aller au collège et à Inter. Enfin, à Inter et au collège. Voilà, voilà. Commence bien la journée, je vous le dis moi. Mais bon, c'est pas de sa faute, petite mère, elle était crevée. Ah, elle était à HS, par contre, elle est arrivée 5e. Donc, sur quand même 5 classes, c'est quand même pas rien à gérer, la petite.
Et mon fils, il est arrivé 20e. Mon fils, il aime pas trop courir, ça, son truc. Parce qu'il me dit, j'ai mal aux jambes, j'ai envie de vomir quand je cours et tout. Alors lui, il est grand. Il est pas très sportif, mon fils. Ma fille, ça va, oui, elle est sportive, elle a fait du cirque, elle fait. Avant, elle faisait de la gym. Bon, allez, je vais me laver les dents, je mets ma doudoune, mes baskets, et on se casse à Inter. Et au collège. Ah non, le vide. À chaque fois que je filme, je parle dans le vide. Je vous disais, vous avez vu, bon, elle est fermée jusqu'à là quand je dors. Mais du coup, bien emmitouflé. On a ressorti la doudoune là, parce qu'il caille trop. Du coup, on a pris des chips. On a pris des petits moelleux parce que mes enfants ils aiment que ça. Et en plus ils sont exigeants, pas au jambon, faut que ce soit au poulet. J'en profite pour faire mon petit unboxing, on est en route pour le collège. Alors pour faire mon petit retour de course. Deuxième pour le chou parce qu'il va nous jalouser, il fait plus de cirque lui. Il est marre, je vous disais, il est pas très sportif. Toujours pour le pique-nique, des pommes, potes, bananes. Ma fille elle croit qu'il n'y a que bananes, mais non. Ces pommes, il y a tous les trucs qui sont mélangés à la fraise, tout ça. Il n'y a pas que fraise ou que banane. Il y a de la pomme et autre chose. Mais je ne sais pas, elle insiste à nous dire que ça n'existe que à la banane. Dites-moi dans les commentaires qu'il n'y a pas que à la banane, s'il vous plaît. Un petit Pepsi. Et du coup, on a profité pour prendre pour ce soir, tant qu'à faire. On a pris des trucs chinois, des beignets de crevettes. On s'est dit, les petits vont être contents. Moi, je ne suis pas fan de chinois. Poulet et sauce Nuam, il y en a 4 dedans. On a pris quoi ça, 8 mini samoussa, bœuf, il y en a 4 au bœuf et 4 au poulet. On dit la marquette elle a pris cher. Donc 4 bœufs, 4 poulets, il y en a 8 dedans, c'est des mini. Hein. Et puis on a pris ça aussi, parce que les petits, c'est ce qu'ils kiffent le plus dans les trucs chinois. Pas donné ce machin là. Le grand il avait en gros, on s'est dit comme c'est tout pour les petits, on leur prend un petit parce qu'ils finissent jamais. Hein. C'est pas des gros mangeurs. Dedans il y a 15 pièces, 4 nigris saumon, 4 saumons crus, 4 saumons crus fromage, 2 California saumon cuit épicé, 2 maquis poivron vert, 2 maquis saumon cru, une sauce soja et 2 piques. Après c'est assez complet. Hein. C'est assez complet. Comme ils mangent pas beaucoup de viande et tout ça, de légumes, parce que quand ils grandissent, ils aiment rien, ça va pas leur faire de mal. Hop. Et puis, bah, il nous fallait du gel douche. 1,09€, je me rappelle du prix. J'ai pris le moins cher et j'ai pris un lait hydratation, parce que moi, les gels douche qui n'hydratent pas, ça me fait pas. Et puis, en plus, je n'ai jamais testé, alors comme ça, je pourrais vous dire s'il est bien ou pas. C'est un petit format, par contre. Hein. Combien lui, 250 ml? Ouais, ça va encore. 1,09€. La marque Label, elle est plutôt pas mal. Hein. Voyez, voilà. Bah écoutez, hein, finito le retour de course. Et puis, bah, je vous reprends dès que j'arrive à la maison. Bon, bah c'est bon. On a récupéré le fils. On a donné le pique-nique à la fille. Et puis, bah là, mon fils, il mange. Voir ta belle coupe. Elle est trop belle, sa coupe. Fais voir sur le côté. J'adore sa coupe. Bon app. Merci. Ah, t'es content, je vous avais dit, je prends le pique-nique, sinon il va savoir que sa soeur mange pique-nique et pas lui. Et du coup, pour le chinois, ils sont trop contents. Enfin, mon fils, parce que ma fille, j'ai pas eu le temps de lui dire. Mais du coup, pour le chinois, ils sont fans. Mon bouton de vie sèche, ça me fait moins mal. Cool. Là, je vais m'occuper de l'aspirateur si présent que vous voyez derrière qui est hyper blindé. J'attends toujours le dernier moment vu qu'on n'a qu'un filtre. Et du coup, il marche toujours autant bien, hein, comme on me dit. On m'a demandé dans les commentaires, est-ce que tu es toujours satisfaite de ton aspi? J'ai dit oui. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un filtre. Je crois que je l'ai dit dans un précédent vlog, il me semble. Donc voilà. Après, il n'y en a plus à action. J'ai regardé. Je regarderai la prochaine fois que j'y retourne s'il en reste. Mais non, moi franchement, je suis contente. En plus, il se nettoie facilement et tout. Après, c'est pas un Dyson, comme je disais. Donc voilà, là, c'est ce que je vais faire. Nettoyer le filtre. Puis après, je vais m'occuper de ma banette. Je vais vous la faire montrer comment elle est pleine à craquer. Puis en plus, il y a des draps à changer et tout. Oh.
En plus, j'ai pas beaucoup dormi, ça va être beau. Ça va, les courses sont faites. Moi, je dis, ça, c'est déjà pas mal. Et puis, moi, j'ai pas faim. Hein. Moi, pas faim tout de suite. Vous me connaissez, hein. Allez, je m'y colle. Bon, bah, les amis, j'ai sorti ma vidéo d'hier. Que j'ai dû, bien sûr, couper un passage parce que mon fils, il aimait pas sa tête dessus. Donc, il a fallu que je recommence. Mais bon, ça y est, ça c'est fait. J'ai plus beaucoup de batterie aussi. Et filtre. Mais il n'y a pas de chauffage. Je sais pas, là hier il marchait et là pas de chauffage. Donc à mon avis, je vais pas pouvoir me servir de mon aspirateur aujourd'hui. Dans tous les cas, je suis tellement rincée que là j'ai un gros coup de barre. Je vais vous faire voir mon linge, je vais déjà m'occuper de ça. Voilà la bannette. Ça c'est mes enfants. Ils laissent traîner leurs fringues dans leur chambre pendant 10 ans. Puis d'un seul coup, quand je leur dis de les ranger leur chambre, eh ben je me retrouve la bannette comme ça. Alors je pense être à jour. Au final, je ne suis pas à jour. Ah, à chaque fois, ils font le coup. Hier, la bannette, elle était vide. Hier matin, parce que je m'étais dit, je peux peut-être pouvoir mettre une machine. C'était sec. Et finalement, non. J'ai le soir, bam, voilà. Bannette remplie. Sympa, les gosses. Et bah ça, je vais faire que ça aujourd'hui parce que là je suis trop fatiguée. Voilà. Bah après ça c'est vite fait, hein. Le truc dans la vaisselle, mon lave-vaisselle il est vide. Et puis il y a des casseroles que je suis obligée de laver à la main. Les casseroles, je suis obligée de les laver à la main. Voilà. Et puis comme l'aspirateur, de toute façon, il va pas être prêt d'être sec parce qu'il caille carrément dans l'appart. Donc voilà. Bon, si déjà je fais ça, ça sera déjà très bien. Heureusement qu'on a pris des trucs vite fait à manger ce soir. Parce qu'à mon avis, ça va être dur, dur. Moi qui voulais rattraper mon ménage, bah c'est pas grave, je ferai ça demain. Et puis demain, je voulais faire une petite recette aussi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas cuisiné, là. Depuis le filet mignon, je fais que des trucs vite fait. Steak haché pâte, pomme dauphine, steak. Des petits trucs vite fait, mais bon, après, on ne peut pas faire des recettes tous les 2 secondes avec l'augmentation des prix. Voili voilou. Bon, bah, je fais tout ça, je me fais une sieste et je vous reprends après. Bon, bah, ça y est, j'ai fait ma petite sieste qui était catastrophique. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu mal au ventre, ouah. À me tordre et tout, ça faisait du bruit et tout dans le ventre. En tout cas, c'était pas une très bonne sieste. Décidément, le destin veut pas que je dorme en ce moment. Du coup, je me suis levée vers 4 heures. J'ai fait mon lave-vaisselle. Voilà. En route, les petites casseroles sont lavées. Puis du coup, j'ai commencé à détendre mon linge. Et là, j'attends que le pape s'y sorte de la douche. Ma fille elle dort aussi, elle est naze avec le crasse d'hier. Le froid et tout. Là, il fait quasiment nuit. Il est quelle heure là? 16h12, je me suis même levée avant, c'est à peine si j'ai dormi 1 heure. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que mon bouton de fièvre, il est en train de se guérir. Voilà, il pleut, il fait presque nuit. Donc, voilà. Donc, j'attends que le père y sorte. J'étends mon linge. Je voulais motiver ma fille à faire ses draps, mais comme elle dort. Voilà. Et puis après, je file à la douche. J'aimerais bien pouvoir avoir le temps de faire un masque hydratant pour le visage parce que j'ai l'impression d'avoir la peau toute desséchée. Et le chauffage, ouais, il est encore venu. Mais mon filtre, il est mouillé encore. Donc voilà, je pourrai me servir de l'aspirateur que demain. Et demain, on a rendez-vous à la banque à midi. Donc si je veux faire ma salle de bain, j'ai intérêt de me lever de bonne heure. Salle de bain et plus d'ailleurs. Bon du coup je suis arrivée de l'autre côté. Là je sors de la douche et James il avait tendu le linge et j'avais plus qu'à ranger le linge sec. Trop bien. Mon filtre est sec. Trop bien. Il me reste plus qu'à faire mon masque hydratant. Allez voilà. Que j'ai laissé dans le machin de calendrier. Fin de journée difficile, hein, franchement. Oh, j'ai mal au ventre et tout. Et en fait, je pense que c'est à cause du café. J'avais arrêté pendant 15 jours le café.
Attendez deux secondes. Appliquer sur l'ensemble du visage en couche fine en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 minutes et retirez l'excédent sans rincer. Déconseillé aux peaux sensibles. J'espère que ça va pas me piquer. Bon, déjà l'intérieur il est comme ça. Ah c'est joli. Voilà, allez c'est parti. Par contre après une fois qu'il est ouvert, je pense qu'il faut pas laisser trop longtemps à l'air. Enfin. Ouais, donc du coup je vous disais j'avais arrêté le café, j'avais bien arrêté pendant moins 15 jours. Le café, je buvais que 3 cafés par jour, 2 des fois même. Et là, depuis hier, j'ai repris au moins mes 6 cafés, 7 cafés dans la journée. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça que cette nuit j'ai mal dormi, enfin que j'arrivais pas à dormir quoi. Et que cet après-midi j'avais mal au ventre. En fait, le bide il a été retourné à cause du café. Donc. Je pense que c'est ça, hein, ça peut pas être autre chose. Hein. Je m'étais reposée, tout ça, ça allait. Il a fallu que je reboive du café. Oh, quelle erreur. N'empêche que ça fait des méfaits, hein, du coup, on s'en rend compte. Là, je m'en rends compte. Hein. Déjà, du coup, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, j'ai mal dormi. Du coup, demain, je me reprends mes bonnes habitudes de mes 3 cafés dans la journée. Là, j'ai bu un verre de menthe. Parce que sinon, je vais pas redormir ce soir. Ça fait trop du bien, le masque. Ah ouais, ils sont trop bons. Ça sent le spa, un peu le bébé aussi en même temps. Trop bien. Ah, ça fait trop du bien, franchement. Il est au top. J'adore. Il est trop agréable à appliquer, puis le petit applicateur, c'est super pratique en silicone comme ça, là. Nickel. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un masque hydratant. Je sais pas trop comment doser, disons couche fine, mais quand on en met en couche fine, on a l'impression qu'il n'y a rien. Hop. En évitant le contour des yeux. Voilà. Et voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Et puis, je vous redirai ça après. Bon, bah, du coup, les 5 minutes sont passées. La peau, elle a pas vraiment absorbé plus que ça, j'ai l'impression. Du coup, j'ai mis les aspirateurs en attendant. Du coup, je sais pas si j'attends encore un peu ou pas. Ouais, ça a séché un peu quand même à certains endroits. C'est pour ça qu'ils disent de le mettre en couche fine, parce que sinon, il y a des excédents. En fait, c'est trop après, du coup. Donc, mettez-le en couche fine surtout. Sinon, ça sert à rien, en fait. C'est du gaspillage. Hop. Ça m'a picoté un petit peu sur le cou, mais là, ça me fait un effet de fraîcheur. Comme si qu'il y avait du vent frais qui se mettait sur mon visage. Ça fait vraiment du bien, franchement. Après, je voulais rajouter cette crème-là. C'est une crème que j'avais eue dans la Blissim. Que j'ai déjà testé et qui est au top. C'est à l'oméga riche. Voilà, je pense que je vais pouvoir retirer l'excédent. Et du coup, j'hésite à mettre celle-là. Ça va dépendre de quand je vais enlever l'excédent, ce que ça donne. Et juste avant d'aller me coucher, je mettrai un petit coup de baume à lèvres. Là, si je suis pas hydratée, je comprends pas, là. Hein. Voilà, allez, on va retirer tout ça. Ça se retire assez bien. Oh là là, ça fait trop du bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que j'avais pas le temps. Voilà. C'est vrai qu'avant, je faisais souvent mes night routines, mais ces derniers temps, je me négligeais un peu sur la night routine.
Je la fais, mais pas tout le temps, quoi. Des fois, je m'endors comme une larve. Comme une larve. Hop. Je sais pas, non, je pense pas que je vais rajouter. Ouais, non, c'est un peu gras si je rajoute ça. La peau va être trop grasse. Non, ça hydrate bien. Waouh. Ah ouais. Surtout, n'en mettez pas trop si vous lavez ce masque. Ça fonctionne bien, donc. Puis après, il y en a trop. Ah ouais, regardez ma peau comme elle est bien hydratée. Ah, c'est cool. Je suis fan, franchement. Le masque-là, il me plaît. Je serais susceptible de le racheter. Après, sous forme de plus de tube, je pense. Parce que en coupelle comme ça, faut vite l'utiliser, sinon le produit prend l'air. Là, ça va, je les remets dans le calendrier bien fermé, bien à plat. Et puis, je pense que j'en referai un demain, voire après-demain. Je vais pas trop traîner, quoi, parce que. Je pense qu'il peut faire 3 fois. Donc, je vais faire ça pendant 3 jours. Là, si j'ai pas la peau hydratée, je comprends pas. Puis, moi, j'aime bien prendre ma douche le soir. Demain, bah, comme là, j'ai pris ce soir, demain, je vais la reprendre demain soir. J'ai terminé des produits aussi que je vous dis, je vous en parlerai demain parce que la vidéo va être trop longue. Allez, voilà. Je vais vous laisser là. Je vais faire manger les petits parce qu'il est déjà. Je crois qu'il est plus de 18h30. 18h31. Comme ça, je vais mettre les nems, tout ça, chauffer. Je vais faire manger les petits. Après, je vais me regarder les 50 comme d'hab. Puis je pense que je vais pas faire long feu. Je sais même pas si je vais manger. Franchement, j'ai trop mal au ventre. Voilà, bah, je vais vous laisser là et je vous dis bah, à demain, puisque je reprends une vidéo demain. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les tests produits, là. Enfin, le plus que je peux, quoi, parce que entre le ménage, le rendez-vous et les mésaventures de café. Bon, hein. Du coup, bah, je vais clôturer la vidéo là. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. J'espère que demain, je serai de meilleure forme et que j'aurai mieux dormi. Voili voilou. Bisous.